répondez pas. Ça va bien pour aujourd'hui le bois. On verra la suite demain. Tiens ! Salut les petits poulets ! On se retrouve pour cette nouvelle petite vidéo du dimanche avec un beau soleil aujourd'hui, vois-tu ? Vidéo du dimanche que je peux commencer par te dire qu'on va manger ces gros morts à Gérard. Alors pourquoi on va manger ces gros morts à Gérard ? Je ne vais pas trop m'approcher de la 306 parce que sinon je vais vous dévoiler le bordel. Alors je devais vous expliquer un truc. Hier, il n'y a pas eu de tuto. Et j'ai les boules. J'ai les boules, je vais te dire pourquoi. Parce que le... Bon, il est encore dedans le tuto, mais on garde ça pour plus tard. Il se trouve que j'ai passé mon jeudi après-midi à préparer le tuto. Oui, qu'est-ce qu'il fait le père Bichot avec son tracteur hein. J'ai passé mon jeudi après-midi à préparer le tuto, ça m'a pris une partie de l'après-midi, le temps de préparer, savoir ce qu'on va faire, et tu vois un peu tout ça, quoi. Et j'ai passé le vendredi après-midi à le filmer. Et donc, vendredi après-midi, quand j'ai mis ma petite carte mémoire dans mon PC pour faire le montage, et bah en fait, la carte mémoire était vide. Alors je sais pas ce qui s'est passé, il y en a peut-être qui sont plus experts que moi. Là, je sais que je peux être abruti des fois, mais la carte mémoire était dedans, la GoPro enregistrée, comme elle est en train d'enregistrer là. Peut-être que ça se trouve, elle est pas en train d'enregistrer. Mais non, du coup, la carte mémoire était vide. Du coup, on a passé deux après-midi à faire un tuto pour ne pas avoir de vidéo. C'est pas grave, il est déjà fait, donc j'ai plus qu'à redémonter et tout recommencer. C'est un vrai métier. Regarde ce gros chien qui se balade. Gros chouchou, tu vas me détasser mon tas de bois ? Et coucou. Enfin voilà. Bon, j'espère que ça va chez vous, il fait très beau nous là. Apparemment ça va pas durer, mais bon, on en profite pour le moment. Bah non, on va pas enfermer le chien là. Je vais aller me chercher une petite bière et puis on va se faire ce petit vidéo du dimanche. Regarde maman, elle est en train de se décrapoter les pognes là-bas. Petit coup de klaxon maman. Petite mousse, tu veux pas casser un petit peu le bazar? Il faut toujours prendre rendez-vous pour aller à la déchetterie, du coup, on n'a pas été faire de petit tour à la déchetterie encore. Regarde si c'est pas beau les chaises à maman. Ah ben, qui est rose, hein. Mignon ton mec quand même. Hein, ouais, hein. Tu veux pas regarder, il y a un bruit devant sur le camion. Hein. Ça va tes tympans? Ça va tes tympans? Oui, parce qu'il y en a qui ont dû voir la petite vidéo passer. On va en parler dans la vidéo, tiens. Tac. Ah, qu'est-ce qu'on fait, nous, aujourd'hui? Regarde, on recharge la batterie de la 306. Bon, va falloir que je pense à en acheter une autre, mais tu vois, à force de pas rouler pendant le confinement, bah, je pense que la batterie a pris son indépendance. J'ai testé l'alternateur et... L'alternateur. L'alternateur et tout le bazar, ça fonctionne, mais je pense que la batterie, elle ne veut plus de nous. Bon, petite mousse, on est dimanche, hein, petite despé, bien fraîche. Oh, avec ce beau soleil. D'ailleurs, j'ai vu qu'on avait 28 degrés, quoi. C'est ouf. En plein été, on reste à la piscine. Santé à toi dans ton petit canapé. Et puis je vais me faire un petit mégot. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a dit, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? S'il s'en est passé quand même des trucs cette semaine. La semaine a commencé... Enfin, j'ai mis la vidéo du dimanche et dès dimanche, il s'est repassé des trucs. Dimanche après-midi. J'ai mis un petit message. Vu que... Bon, la camping est bientôt terminée. Enfin, bientôt terminée. On va dire qu'elle roule. J'ai rendez-vous au contrôle technique. Là, j'y vais vendredi. Vendredi. Et du coup, j'ai dit que vu qu'on avait fini tout ça, on se remet sur le XSI. Donc, bah, on cherchait une... Attends. Ah. On cherchait une boîte qui refait les trains arrière. Il y en a... J'ai bouffé le nom, là, tout de suite. Là, je ne l'ai pas sous les yeux. Moi, je peux le trouver. Je peux le trouver si je regarde dans les commentaires. Peut-être que je peux te le trouver. Le garage ALS à Espied dans le 33. J'ai de la famille juste à côté en plus. Coucou la cousine si tu regardes. C'est juste à côté de chez toi ça. Et du coup j'ai vu qu'il y avait plein de gens qui l'avaient notifié. Et du coup bah, il s'est venu que j'ai parlé avec lui. Et on va avoir un train arrière pour la 306. Pour la 106 pardon. Ah non celui-là il est déjà changé. Il y en a des gens qui se baladent aujourd'hui. Get nanar avec le tracteur. On est bien à la campagne quand même. Vache, ça pousse. Alors du coup, oui. Donc ça, c'était dimanche. Oui, j'ai parlé avec ce cher monsieur de cette entreprise. On va avec lui. On va avoir un train arrière tout neuf. Ça va le faire.
Dimanche soir, j'ai mis une super photo qui a fait un petit peu de bruit. Et j'ai mis, tu vois, c'est ma Mégane RS. Alors j'ai les pros Renault qui ont déboulé sur la page, j'ai reçu des gentils messages en me disant que j'étais qu'un gros « je vais pas te hein ». Mais pas de ma faute si tout le monde n'a pas le même humour. Hein. Alors c'était parti en débat mécanique, châssis, vas-y suis-moi avec ta Mégane RS, enfin suis-moi avec ta 306 et moi avec ma Mégane RS, on en reparle. Parlons de choses comparables quand même. Enfin bon. On n'est pas là pour savoir qui est la plus grosse. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Lundi, on s'est inscrit sur TikTok. Alors, je vais peut-être pas m'en occuper beaucoup. On a mis 2-3 vidéos dessus. Et puis, on va bien voir. Je sais pas. Vous l'essayez, on va voir. Ça a l'air d'être simple à utiliser. On verra. Peut-être qu'on va mettre des trucs dessus. Peut-être pas. On verra bien. Lundi après-midi. Ah oui, on a fait de la grosse mécanique, ceux qui ont vu cette petite vidéo. Je pourrais la mettre sur YouTube, d'ailleurs, pour ceux qui sont pas sur la page. Il se trouve que je suis parti faire les courses avec la camping. Et quand j'ai voulu attacher ma ceinture, en fait, je me suis aperçu que j'avais oublié de la revisser. La boulonnée dans le châssis. Du coup, on lui a mis un très beau petit riselant, ça nous a permis de faire une petite vidéo. C'était pas mal. Bon, je te rassure, maintenant, je l'ai refixé vraiment la ceinture. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a mis... Oh, c'est lundi ou c'est mardi, ça? Non, ça a été lundi, ouais. Lundi, on a fini la camping. Mardi, je vous ai mis une petite vidéo qu'on a fait pendant le confinement, que j'avais complètement oublié de publier, là, quand on a fait un petit tour avec le 150 sur le terrain devant la maison. J'avais complètement oublié de la mettre, cette vidéo-là. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut que je fasse la vidéo de présentation du 150. Parce que la vidéo de présentation des jouets, on n'a toujours pas fini. On en a fait quelques-uns, mais le 150, là, tu vois, je pense à ça, il n'est pas fait. Ça, c'était mardi. Mardi, on a reçu ce petit colis. Ouais, il y a écrit refuge, quel site, là? Bon, c'est pas celui qui nous l'a envoyé qui a écrit, mais ça, c'est pour que je pense à vous le dire après. On a reçu ce petit colis. Petit colis d'une personne qui est sur la page, qui nous l'a offert. C'est très gentil de sa part. Alors après, il voulait pas forcément... de la pub en retour, parce que des fois ça arrive quand même. Et moi j'aime bien dire merci et puis dire qui et comment, du pourquoi. Regarde ce qu'on a reçu. Regarde si on va pas voir clair avec ça, avec la camping. Regarde. Oh. Jour. Nuit. Jour. Nuit. Jour. Nuit. Oui, ce cher monsieur dont là tout de suite j'ai mangé le prénom. Regarde, il a un petit garage. Le Xander Garage. Alors j'en ai chié à retrouver le nom de la personne, puisque sur le colis il y avait écrit son vrai nom et prénom, et que son vrai nom et prénom ne correspond pas à son pseudo Facebook, et je ne retrouvais pas qui c'était. Mais du coup, on va pouvoir installer ça sur la camping. Du coup, remercie à toi qui te reconnaîtra, et puis si c'est dans votre secteur, fais un petit tour au Xander Garage. C'est dans le 28, si je ne dis pas de bêtises. De toute façon, je referai une petite publication pour lui dire merci, c'est ce que j'avais pas eu le temps de faire. J'ai juste retrouvé hier qui c'était qui nous avait offert ça. Et du coup, cette barre de LED qui mesure 1 mètre, je n'ai pas de mètre sous la main, qui mesure 1 mètre et quelques, 1 mètre 10 je crois. On va dire 1 mètre. Et bah, elle va aller tout en haut de la galerie. Regarde, ça va venir là-haut. Va falloir jouer avec mes couilles. En pleine nuit, t'oublies de baisser tes phares, quand on se croise, on va pas être copains. Et tant que j'y pense, regarde, j'ai fini de monter le petit compresseur du klaxon, le klaxon qui est ici. Oh. Et du coup, maman était la première à tester le klaxon. Ah, maman ? Oui ? Puisque dans la semaine, c'est-à-dire mercredi, je vous ai mis une petite vidéo histoire de fêter l'anniversaire de maman, bon, vous l'avez vu. Enfin, peut-être que tout le monde ne l'a pas vu, elle est sur la page. Ouais, pareil, je vais peut-être la mettre sur YouTube aussi. Du coup, pour fêter l'anniversaire de maman, j'ai fait une petite vidéo où elle a pris un petit peu cher au tympan, il faut le dire quand même. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre cette semaine? Donc bah oui, j'avais mis une petite photo pour vous dire que je préparais le nouveau samedi tuto. Hein. Mange tes morts, saloperie de carte mémoire. Je sais pas ce qui s'est passé, il faut que je regarde. Et avant que je dise autre chose, il y avait écrit le dessus. Là-dessus, refuge, quel site? Je l'ai déjà dit, je m'occupe de ça la semaine prochaine. On relance la cagnotte pour les refuges, comme on a fait... Tu vois, c'est ce gros chien. Oh putain, la violence. On relance, comme on a fait l'année dernière, la refuge pour les cagnottes. Ouais, ou l'inverse, enfin, t'as compris quoi. On refait la cagnotte en ligne pour les refuges. Donc l'année dernière, je vous le répète, la vidéo est sur YouTube, tu vas la trouver si tu ne l'as pas vue. On s'est retrouvé avec un peu plus de 8000 euros parce qu'il fallait opérer la chienne. On refait la même chose cette année. On va certainement réopérer le chien, mais je l'ai déjà dit, je la paye l'opération. Tout ce qu'on va récupérer de la cagnotte, ça va être pour les refuges. Alors du coup, c'est écrit ici en gros. Si vous connaissez, parce que nous, on avait fait ça avec Litchi, et non, je ne referai pas avec Litchi. Si vous avez des conseils de plateforme de cagnotte et tout le bordel, je ferai un message sur la page bientôt, là.
Mais sinon, si t'as un meilleur truc, je sais qu'il y a, je sais plus, il y a Tipeee, enfin, il y en a plein des trucs en ligne. Donc si vous avez un petit site de cagnotte en ligne à nous conseiller, eh bah, je vais éplucher ça. Là, à mon avis, la semaine prochaine, on démarre la cagnotte, on va la démarrer pour un mois à peu près, histoire de... On va pas se flinguer les vacances comme on a fait l'année dernière, parce que ça nous a pris beaucoup de temps. On va organiser ça différemment. On fait la cagnotte, j'achète tout, et on va faire beaucoup plus vite. Mais comme l'année dernière, on fera 5-6 refuges, je sais pas. Ça dépendra de ce qu'on va récolter, en fait. Vois-tu ? Voilà, on a fait le petit tour. Qu'est-ce qu'on a fait ? Ah ouais, vendredi, on a fait un petit tour avec le 845 du Seigneur. Ça, c'était valable. J'ai mis 2-3 photos ou 2-3 vidéos. On était de barbecue. Bah, ça fait 4 jours qu'on bouffe barbecue. J'ai la panse toute bouffie à manger des andouillettes. C'était quoi, vendredi soir ? Vendredi soir, ouais, on a fait andouillettes et côtes de bœuf. Après, je... Et puis voilà, on a fait le tour de cette petite semaine. Donc bah du coup, oui, je leur dis, il n'y a pas eu de tuto hier, mais bah du coup, le tuto est tout prêt. J'ai plus qu'à tout redémonter et tout filmer. Donc bah, ce sera samedi prochain. Et puis voilà, il y a un moment qui arrive, elle veut me jeter un pneu à la gueule encore. Oula. Maman est encore en pyjama en plus. Tout va bien. Oh, oh ça va faire boum. Putain, il y a le gamin qui dort. Tu sais que ton fils dort quand même. Et que des pétards, j'en ai des plus gros. Oui, mais maman qui dort. Maman est contente de sa quaderie. Bah oui. Oh. Bon bah voilà. Fais gaffe, ça risque de gros péter. Ah bon? Ouais, mais des pétards, j'en ai des gros moi encore. Oui, moi aussi. Ah bon? Oui. D'accord. Bon voilà, maman aime bien faire sa petite vengeance. Et ça peut durer longtemps cette histoire, hein. Bon, bref. Je t'ai coupé dans ton élan. Oui, un petit peu, oui. Bah de toute façon, j'avais fini. Puis maman, regarde, elle m'apporte ma bière, c'est magnifique. Service à domicile. Ouais. Oh putain, je vais me cacher. Du coup, rendez-vous samedi prochain, ça devait être ça que j'étais en train de dire, puisque le tuto, bah, on va le refaire cette semaine et puis on le mettra samedi prochain. Et puis voilà. Putain, ça sent la poudre à pétale. Je vous dis bon dimanche et je vais laisser la caméra tourner. Je vais couper, tu vois, je vais faire cette vidéo-là et après je vais la garder avec moi parce qu'à mon avis, il va se passer des choses avec maman aujourd'hui. Allez, bon dimanche et rendez-vous. On verra bien. Abonne-toi, mon chef. Santé. Il est barré où, maman? Je vais aller chercher mon petit drapeau blanc, moi, pour signer l'armistice. Santé !